Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit scrap ensemble. Alors, c'est pas un tuto parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je ne peux plus vous dire où je l'ai trouvé parce qu'en fait, je ne retrouve pas mon cahier. Je l'ai noté dans mon cahier, j'ai même noté toutes les mesures et tout ça, et j'ai perdu mon cahier. Non, mais c'est moi tout craché. Je suis en train. Oups, il y a des choses. Voilà, je suis en train de tout ranger, donc il y a des choses qui bougent. Et donc, tant que tout n'est pas rangé, bah, c'est le bazar, tout est mélangé. Je mets à droite et puis après je remets à gauche et je ne sais plus où j'ai mis mon cahier. Bref, donc j'ai retrouvé mes mesures, heureusement. Ça c'était facile. Mais je ne sais plus. Donc je m'excuse si la personne qui m'a inventé regarde ma vidéo, ce qui m'étonnerait bien. Parce qu'à mon avis, ça doit être quelque chose. Ça doit être une américaine qui a dû l'inventer. En tout cas, si quelqu'un se reconnaît, qu'elle n'hésite pas à... que la personne n'hésite pas à me mettre en commentaire. Donc, ce que je disais, c'est que ce n'est pas mon tuto. Donc, je ne vais pas appeler ça tuto. Je veux dire, on se gratte ensemble. Même si aujourd'hui, on ne va faire que la structure. Et donc, on va faire ça. La structure d'un library swap. Voilà. Donc, c'est tout bête. Tout simple. J'aime beaucoup ce format. Ça permet de mettre plein de goodies dedans quand même. Et après, on peut mettre la fermeture qu'on veut, etc. Je trouve ça vraiment très sympa. J'ai fait ce tuto, ce format-là, pour me retrouver, pour retrouver les mesures. Et en fait, je trouve que là, il y a trop de jours. Donc, j'ai modifié une mesure. Donc, on va tester avec une autre feuille tout de suite. Alors, pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'une feuille. De papier cartonné, une feuille A4, c'est suffisant si on la prend dans le bon sens pour couper. Moi, je me suis fait avoir quand j'ai voulu faire l'autre, j'ai dû prendre une deuxième feuille. On va avoir besoin également de colle, voilà, d'une paire de ciseaux, voilà, et du massicot. Massicot qui a l'outil rainurage. Si vous n'avez pas l'outil rainurage sur votre massicot, vous allez avoir besoin d'une règle et puis d'un stylet pour rainurer. Mais bon, la plupart d'entre vous, je sais pas tout le monde, mais si vous avez ça, vous pouvez suivre sans problème. Alors, le tuto, comme c'est du 3D, on scrap ensemble, oh, ça va être du mal. Je vais avoir du mal à dire. Le projet, je le fais en inch. Parce que pour moi, c'est plus facile quand c'est en inch pour faire du 3D. Voilà, j'ai l'habitude. Donc j'aime bien. Alors, sur la feuille A4, on prend sur la longueur. On va couper un morceau qui fait 6 pouces et demi. Et dans le morceau qui reste, un morceau qui fait 4 pouces et demi. Voilà. Et donc il va rester ça pour le moment. Et donc le morceau ici qui fait 4 pouces et demi, on le tourne et ici sur les 21 cm, on va couper un morceau à 7 pouces. Ce qui nous fait 7 pouces par 4 et demi. Et sur l'autre morceau qui fait 6 et demi, et je vérifie que je ne me suis pas trompée. Que je ne me sois pas trompée, pardon. Oui, c'est bien ça. 6,5, on tourne. Et sur l'autre côté, on coupe un morceau qui fait 4 pouces, 7 huitièmes. Et voilà, on a nos deux feuilles de papier. Et ça, c'est ce qu'il nous reste d'une feuille A4. Donc, je répète les mesures, donc le grand côté ici c'est 7 pouces par 4,5 et l'autre morceau fait 6,5 par 4, 7 huitièmes. Juste
sur le massicot, mais aussi souvent sur les règles maintenant, on a les pousses avec les. Alors attendez, je prends une règle. Oups, désolé. Ouais, par exemple, là, la règle, elle est en centimètres et en pouces. Donc pour celles qui travaillent avec des règles, bah, vous pouvez l'avoir de l'autre côté. Et pour vous montrer les 7 huitièmes, etc., en fait, les graduations, par exemple, ici, on a 4 pouces, 5 pouces, c'est la grande. Et toutes les deux graduations, ce sont les huitièmes. Donc là, on a 4, 1 huitième, 2 huitièmes, ce qui fait un quart, 3 huitièmes, 4 huitièmes, qui fait et demi, 5 huitièmes, 6 huitièmes, qui fait 3 quarts, et puis 7 huitièmes et 8 huitièmes, qui fait le pouce suivant. Donc voilà. C'est juste les petites graduations à prendre. Donc c'est toutes les deux petites graduations là que ça fait les huitièmes. Juste voilà, juste pour celles qui ne le savaient pas. Et donc en centimètres, parce que ouais, je vais vous donner aussi en centimètres pour celles qui sont vraiment réticentes au système impérial. Donc, je sais pas si vous aviez bien vu. Oh là là, franchement, je suis nulle. Hein. J'ai changé mon cadrage et puis j'espère que vous avez bien vu. Bon, je vous le remontrerai sinon. Faut que je fasse attention. Excusez-moi. Donc, 7 pouces, ça fait 17,8 cm. Et 4 pouces et demi, ça fait environ 11 cm et 4 mm. Donc, 17,8 sur 11,4. Et l'autre feuille. Donc, on en a pour environ 16,5 cm sur 12,3 cm. Donc ça, c'est la deuxième feuille. Ça, c'est pour faire la boîte et ça, c'est pour faire le couvercle. Et donc, pour faire le couvercle, alors maintenant, je prends mon massicot. Voilà. Sur le côté qui mesure 7 pouces, donc 17,8, je crois que j'ai dit, je vais marquer à 4 pouces un huitième. Donc 4 pouces. Et alors, ce que je vous disais, c'est que là, toutes les deux graduations, c'est un huitième. Donc 4 pouces, un huitième. Et hop, je marque. Je ne me trompe pas. Je marque. Ensuite, je tourne ma feuille. Donc toujours sur le côté qui fait 7 pouces, mais avec le pli qui est plus vers la gauche. Et je fais encore un pli à 4 pouces et 1 huitième. Ce qui fait que là, mon morceau fait 7 pouces. J'ai fait un pli à 4 huitièmes. J'ai tourné ma feuille. J'ai toujours 7 pouces. Et j'ai refait un pli à 4 et 1 huitième. Ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, sur ce papier-là, de chaque côté, je vais faire un pli à 1 pouce et 1 huitième. Alors, comme là, c'est petit, donc je fais 1 pouce et deux graduations derrière, c'est 1 huitième. Je vais prendre la mesure de ce côté-là, comme ça permet que le papier soit sur le long bord de mon massicot. Ça permet que ça soit plus droit. Moi, je préfère faire comme ça quand c'est des petites mesures qu'il faut prendre. Sinon, si je fais de ce côté-là, vous voyez, ça peut bouger. Là, c'est plus solide. Et on fait ça de chaque côté, donc un pouce et un huitième. Et donc le troisième côté, un pouce et un huitième également. Pas facile, hein. J'essaie que ça reste cadré et puis de regarder en même temps ce que je fais. Et le quatrième côté. Voilà, donc sur notre feuille, sur notre morceau, qui mesure 6 pouces et demi sur 4, 7 huitièmes, on fait des marques tous les 1 pouce et 1 huitième de chaque côté. Ensuite, donc là on n'a plus besoin du massicot. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'on va avoir besoin d'un plioir. Ben oui, je suis bête. Où est-ce que j'ai mis mon plioir moi? Oh bah c'est tout fou, là je l'avais tout à l'heure. Il est là. Oh, vaut mieux voir comme ça que pas du tout. Donc, ensuite,
Peut-être que... Non, avant de plier. Avant de plier, je prends mes ciseaux. Donc, sur le morceau où on a fait le rectangle, là, vous voyez les quatre plis. Je coupe tout droit sur le pli en face de moi. De chaque côté. Et vraiment droit sur le pli. Jusqu'à la première ligne de pli. Oui, j'ai coupé jusqu'à la première ligne de pli. Et je fais pareil en face. Et vraiment droit là par contre. Voilà, et ensuite on a des onglets là que je vais couper en biais, mais très légèrement, pas besoin que ça soit trop grand. Et on va faire ça de chaque côté pour chaque onglet, donc les quatre onglets. Donc de ce côté là, on coupe un petit peu en biais, mais ce sont les onglets, hein. Faut pas se tromper. C'est pas ce côté là, parce que là ça va être le devant de notre boîte, donc faut vraiment qu'il reste droit. Ce sont vraiment les onglets qu'on vient couper en biais de chaque côté. Ce qui va nous permettre quand on va les mettre, quand on va les coller, ça va nous permettre de ne pas trop les voir. Enfin, de ne pas les voir du tout. Ça ne va pas dépasser. Parce que si on laisse tout droit, ça risque de dépasser un petit peu et ça ferait moins joli. Et donc, le dernier onglet, je coupe également en biais. Alors moi je coupe avant de plier ou parfois après, ça dépend. Mais là je trouve que c'est plus simple. On voit mieux les traits avant d'avoir plié le papier. Donc voici ce que ça vous donne. Donc hop. Donc j'ai coupé en biais légèrement mes petits onglets. Et donc maintenant je vais pouvoir plier. Je fais attention que ça soit bien droit. Oublier les petits onglets. Et vous voyez ce que je vous disais, une fois que c'est plié, bah hop, on va coller, on les voit plus, on les voit pas derrière. Donc c'est pour ça que c'est bien de les couper un petit peu en biais. Et donc on va mettre de la colle sur les onglets. Alors là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Les onglets doivent être à l'intérieur de la boîte. Si on les met à l'extérieur, ça fera moins joli. Voilà. Vous voyez, ça fera moins joli. Après, de toute façon, on va remettre du papier par-dessus. Mais c'est vrai que c'est mieux au cas où, si on ne veut pas décorer l'extérieur, de les mettre à l'intérieur. Ça les cache un peu plus. Et donc, on met de la colle sur les onglets. Je mets bien droit. Alors, j'appuie bien avec mon plioir. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre une pince. Juste pour que ça tienne le temps que je fasse l'autre côté. Et donc pareil, on met de la colle. Et là, on a presque fini, hein. Je mets bien droit.
je remets un petit coup de plioir, histoire que ça adhère bien. Et je vais mettre mes pinces pour que ça tienne bien. Voilà, le temps que je m'occupe du reste. Donc, hop. Hop, ça va sécher tranquillement. Et là, pareil, je marque mes plis. Donc, je fais bien attention d'être bord à bord. Et j'appuie avec le plioir. Et je marque le deuxième de la même façon. Voilà. Et donc, ça va me faire ma petite couverture. Et là, je vais prendre ma boîte. Je mets de la colle derrière, au dos. Voilà, et je colle, j'essaie de centrer un petit peu sur l'arrière là, et hop, je vais coller. J'essaie de faire en sorte que ça soit bien droit. Et hop, j'appuie avec le plioir. Et voilà. Alors moi j'ai une colle qui est assez rapide, donc je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Et voici ma boîte. Et ouais, et je préfère. Oui. J'avais pas fait exactement la même mesure ici. J'avais pris 6 1/4 au lieu de 6,5. Et je trouvais que on pouvait faire un peu mieux. Alors que ça remplit plus. Comme ça, c'est bien. Ouais. Et donc maintenant, il ne nous restera plus qu'à la décorer. Alors, je ne vais pas faire la décoration tout de suite parce qu'en fait, je vais l'envoyer après. Donc, je ne veux pas que la personne, elle voit. Donc, je filmerai la décoration et puis je vous la mettrai une fois que je l'aurai envoyée. Enfin, en tout cas, une fois que la personne l'aura reçue. Ah oui, ce qu'il faut faire attention avant de décorer, c'est de voir comment je vais fermer. Si je mets un ruban tout autour, c'est bien de, de coller le ruban derrière et de mettre après le papier design dessus. Comme ça, ça cache un petit peu le ruban. Et vous pouvez mettre un petit bout derrière, un petit bout devant, pareil, papier design par-dessus. Ou vous pouvez mettre comme un élastique ici, et puis avec un petit bras, et ça vient autour. Enfin voilà, vous faites les fermetures que vous voulez, mais essayez d'y réfléchir avant de mettre le papier. Pour cacher la fermeture, ça peut être sympa. Donc voilà, moi généralement je décore, pas forcément ici, mais souvent. Ici, là, le tour j'aime bien, et l'intérieur je fais. Alors l'intérieur surtout pour cacher les onglets, mais bon, c'est pas obligé. En fait, je mets du papier un peu partout, mais c'est pas obligé. Et je ne vous ai pas dit, ce papier là, c'est le papier craft de chez Action. Voilà, je trouve bien. Il est pas mal. Donc voilà. Voilà pour le petit on scrape ensemble, le petit tuto. C'est pas la déco, c'est juste la base. Mais j'espère que ça vous aidera à faire le librairie swap. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Est-ce que je vous avais donné les mesures en centimètres? Je suis en train de me dire. Je suis un peu bête, moi. J'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Oh, je suis nulle. Donc, je vous avais donné les mesures de base. Mais alors, pour les plis, je vous avais dit que là, c'était 4 1/4. On pliait tous les... Oui, 4 1/4. Et donc, ça fait 7 cm. 7,3... Ouais, environ 7,3 cm. Donc là, les plis, 7,3 cm. Et on retourne 7,3 cm. Oh la nulle. Et puis là le c'était 1 1/8, et donc le 1 1/8 ça faisait 2,8 cm sur les quatre côtés. Oh, je suis désolée, j'ai pas pensé. Bref, mon erreur est rétablie.
Rétabli, n'importe quoi. Allez, corrigé. Je suis nulle. Bon, bref. Je crois qu'il est l'heure que je fasse une petite pause. Hein. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous tente comme petit format pour faire un échange, moi je trouve ça sympa. D'ailleurs, j'ai encore de la place pour certains mois qui n'ont pas été pris pour mon échange de librairie swap. S'il y en a qui sont intéressés, je crois que. Ah, ben j'ai plus mon cahier, il faut que je retrouve mon cahier. Novembre, je ne suis pas sûre qu'il ait été pris. Et puis, j'en ai encore pour l'année prochaine. Mais septembre, c'est pris. Je l'ai déjà reçu d'ailleurs. Il faut que je fasse le mien. Octobre, c'est pris. Décembre, c'est pris. Et je ne sais plus quel autre mois est pris, mais je ne crois pas novembre. Bref, il faut que je vérifie. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse réellement cette fois-ci. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.